Bon, on a le droit parce qu'en fait, c'est pas dans les règles du royaume. Oh, oh, oh la vie de ma mère. J'ai pas trouvé un seul shield alors que j'ai fait deux maisons entières. S'en bat les couilles. Kotaga contre le roi Bizou, le 1v1, Solari contre Vitality, allez, c'est maintenant. Yes. Et on est de retour pour, voilà, vous l'avez vu, le Royal Rumble, il s'installe doucement, doucement. Je vous laisse découvrir les 4 énergumènes qui vont nous rejoindre pour ce Royal Rumble et vous allez comprendre la thématique. Allez, c'est parti. Et on fire, et donc oui, c'est Kamel, 8 personnes. Ouais, la photo par contre, incroyable. C'est 8 personnes qui seront au Z Event ce week-end, et donc c'est la thématique de ce soir. On y sera tous. Est-ce qu'ils seront là sur le vocal? Salut tout le monde! Bonsoir, Paris! Salut, salut! On a Zank, on a Xari, on a Jiraya et on a LRB. Alors, 4 experts de Fortnite, pas réellement. Je crois que dans les 4, c'est Zank ouais. qui joue dire, beaucoup. Ouais, je pense. Hein, Xari aussi. Zank, il est manager, on veut dire que. Voilà, quoi que ça va? Salut, mec! Salut, ça va, Xari? Team Xari? J'ai vu que t'avais pas payé. GG, peut-être qu'on pourrait revenir dessus parce qu'on a... Mais vas-y. Vas-y, vas-y, débrief. Hein. Non, mais je suis désolé, les gens. C'est côté, il voulait faire des 1v1 et tout. On lui a dit, on n'a pas le temps. Il y a des gens qui attendent, mais il insistait. Putain, il était ouais, il forçait, relou. Gros. J'entendais ouais, ça. J'ai c'est dingue, désolé, c'est les mecs, j'aime trop payer. En fait, j'ai juste un truc à dire, ouais. Les gars, juste avant qu'on commence. Skyheart, Jiraya. On va se faire un Royal Rumble de folie, mais déjà un petit mot pour chacun. Zank, t'as prévu quoi toi de lourd au Z-Event? Ah, franchement, ça va être un gros programme, hein, je pense. Déjà, ça va être. Ouais. En fait, attends, je cherche un peu. Ouais. J'ai quoi en jeu? J'ai Fortnite. Ouais. Et ça va être pas mal de Fortnite, ouais. Après, t'as énergie le dimanche soir aussi. C'est ça, énergie le dimanche et Fortnite le reste du temps. Et peut-être des lives avec des amis de type Jiraya et Xari qui sont yes, à côté de moi. On l'a teasé rapidement au début de l'émission. On fera un Royal Rumble là-bas en direct avec les gens qui ont envie de jouer sur place. On n'y mettra pas les places exceptionnellement. Et donc, c'est du beau coup, quel toi, Zank, j'avais peur de pas en être. Ah, merci. Vous allez jouer là? Vous êtes tout chaud? Bah oui, évidemment. Oh, c'est trop bien. Bon, il y a Xari aussi. Xari, toi, ton Z-Event, là, tu l'imagines comment actuellement? Ouais, salut. Bah écoute, en vrai, j'ai pas prévu trop de trucs. On va faire des petits trucs avec LRB là. J'entends un petit tournoi de Mario Tennis, peut-être un petit poker. Je sais pas trop. Mais une petite table de poker. Parce que moi, j'ai prévu un tournoi FIFA. Voilà, Kamel fait tournoi FIFA. Oh là, attends, mais Kamel déjà. Oui, bien sûr, nous il y a un match. Bien sûr, il y a déjà un 1v1. On doit pas faire un 11v11 aussi, Kamel? Il y a pas de truc à faire. Je m'en occupe cette semaine. C'est possible en plus. Mais il y aura un tournoi 1v1 au Z-Event FIFA. Ouais. Moi je suis chaud. Non, mais du coup, qui sait jouer au Z-Event à FIFA? Mais c'est bien Gota. Gota il veut jouer. Gota il joue. Tout le monde sait jouer. Attends, mais ça va tous. Allez, c'est bon. Gota, la fois qu'il a joué, il a pris 7-1 par Maxil Damien. Par Maxil Damien. Non, mais attends. Et ça quand je t'ai pas lavé à une soirée Xbox ou au lancement de la Solari TV sur FIFA? Oh, les bouffons. Allô, LRB. Allô, à domicile. Gota, tu peux me rappeler dans quelle équipe t'étais? J'étais avec toi, je crois. Eh ouais, on a lavé le serveur. C'était des grosses pointes de Karim Zadia. LRB, il va ramener King Star. Et d'ailleurs, la transition est toute faite. Jiraya, toi, ton Z-Event, là, t'es chaud, t'es bouillant ou t'es en mode dernière minute comme beaucoup de monde? Oh, je pense que je vais juste pas venir en fait. Non, bah écoute, on va essayer de préparer des petits trucs. On en parle avec LRB, peut-être du Mario Kart. Et puis moi, je prévois de créer des petites maps Golf Hit aussi. Pourquoi trop pas bien. Un gros tournoi, quoi, direct. Mais j'ai vu que tout le monde est dans l'état d'esprit alors que l'année dernière, c'était un peu. Pas improvisé sur le dernier moment, mais là tout le monde est dans l'esprit de faire plein de trucs en groupe, plein de tournois, plein de, ouais, c'est le but, de choses avec un max de monde. Et ça montre aussi bah, que les liens se sont un peu aussi resserrés l'année dernière entre nous, même si là j'avais carrément zappé, mais Gota, Kamel et Kotei n'y étaient pas l'année dernière. Ah, c'est notre premier. Jiraya non plus d'ailleurs. Toi Gigi, tu devais être là. Toi t'avais été invité. Contrairement j'avais été invité, mais j'avais ce qui s'appelle un enfant qui venait de naître. Ouais. J'ai fait mon choix, quoi. J'ai préféré donner pour ma fille. Mais t'avais bien soutenu à distance, on s'en souvient totalement. Et donc je me rappelle de son drôle
bon de 30 000 euros qui avait vraiment fait plaisir. Il y a Stacor aussi, comment tu vas LRB? Bah écoute, ça va nickel. Ça fait longtemps que t'as pas vu sur un lundi, toi. Mais quoi, parce que Fortnite, c'était au dernier Royal Rumble. Ok, donc ça veut tout dire. Mais le Z Event là qui arrive, tu représentes Solary ou tu représentes LRB? Comment ça se passe? En gros, on va y aller à 3 de Solary, on va tenir la TV de midi à minuit. Parce que j'ai comment qu'il y avait des changements de gens. Il y a Chap, donc en gros, il y a Chap, Chap, Narcus et moi. Et Wax, il y a peut-être annulation parce qu'il a l'open tour. Un tournoi. C'est ça. Ok, bah je clique clavier. Ouais, c'est vrai, il est en train d'exploser son clavier, le bâtard. Le mec, il vient de facturer des OP. On va pouvoir lancer dans quelques instants. Alors, tout le monde sait rentrer le code ou pas? Ou faut, on se fait une petite piqûre de rappel, vu que là, on n'est pas en fond. Je crois qu'il faut aller dans boutique, soutenir un créateur, marquer Xari, c'est ça? C'est placé. On tire au sort le premier défi. On rappelle que ce sera en 6 rounds. On va remettre les règles, ne vous inquiétez pas. 6 rounds. Et ça démarre sur pas de popo, si je dis pas de bêtises. Pas de popo. Ah, c'est parfait, moi je suis joueur sans popo. Pas de shield sur la première game. Ça va être quelque chose. Ça, c'est une bonne soirée, ça. Ah, normalement, non, mais... c'est interdit total. Attention, non, non, parce attention. Que Jiraya, gros, il joue avec la team. C'est vrai que c'est super. Mais Xari aussi, toi aussi, Xari, tu joues avec la team. Non, pas en Xari, ouais, il fait le gars. Xari fait le mec, mais il joue tous les jours. Hein. Non, mais c'est pour ça. J'y joue à LOL. Détruit le jeu. Je joue à LOL. Non, mais espèce de beat. Tu le destroy le jeu. T'es juste un menteur en fait. Tu joues tous les matins, fils de. En tout cas, je vois Hitstorm63 sur le chat qui dit ça va être le RR le plus fun. C'est normal, là on a un groupe. On a que des punchliners. Normalement, c'est qui le meilleur joueur après Gotha? C'est moi. Du groupe, je pense c'est Zank. Ouais, okay. Honnêtement, je pense que c'est le troisième. Meilleur joueur après Gotha du groupe. Honnêtement, c'est qui le meilleur joueur? Troisième, ça se joue. Je pense que t'es pas mal. Hein. Non, mais gros, je suis. Non, mais non, je pense mais est plus fort que moi là. Gros, j'ai joué. J'ai vu Kamel jouer. Moi, j'ai vu Kamel jouer. Je pense que c'est Kamel. Il fait des rampes, il est chaud. Je pense que c'est Kamel. Il a fait 150 kills. Kamel, il mettait des balles à 150 et tout. Ah ouais. Bon, j'ai un petit niveau. En tout cas, je sais pas si vous avez. Je suis posé devant ton stream avec mon super smoothie feed. Je me régale. Sous sa place. Oh, vous êtes trop chiant. Bon, d'ailleurs, putain. Quelqu'un veut revue de la Red Bull autour de la table ou on peut démarrer? Oh, on non, ça va, j'ai ma bonne vie. Vous êtes tous en style series, hein, on est d'accord. Hein. Bien sûr. Ah non, hyper. Ah non, c'est vrai qu'ils sont les Lancers, la meilleure marque sur le marché. Désolé, je vous entends super bien sur ce avec... Bon les gars, on envoie la vidéo des règles, on va commencer, mais ça va partir en couille ce soir. Dans le Royal Rumble. Le concept est simple. 8 candidats s'affrontent sur 6 spawns de 5 minutes avec pour unique objectif, marquer un maximum de points pour devenir le grand champion de la soirée. Pour marquer des points, il faudra faire attention à plusieurs choses. Premièrement, le placement. Chaque joueur sera récompensé suivant son classement final avec un barème de points défini, allant de 7 points pour le deuxième à 1 point pour le dernier. Le premier de la manche, quant à lui, remportera 10 points. Les kills ? Eh bah oui, parce que chaque kill rapportera 1 point supplémentaire. Et pour finir, les bonus. En effet, une roulette avec des défis sera lancée en début de chaque manche. En accomplissant des kills avec le défi donné, vous obtiendrez souvent des points supplémentaires. Mais attention, vous pouvez aussi en perdre parce que oui, la roulette vous réserve de multiples surprises. Un dernier détail, mais pas les moindres. Si vous êtes encore en vie à la fin du timer, vous ne marquerez aucun point. Alors, campez pas trop, hein. Ah oui, aussi, on est sympa avec vous. Le perdant de chaque manche aura l'honneur de choisir le spawn de la manche suivante. Alors bref, bonne chance à tous et surtout... que le meilleur gagne. Les règles ont été appelées. Tiens, c'est beau. Tout le monde est conscient de ce que vous êtes en train de faire. On est d'accord. Mais conscient des risques. Ouais. Les règles supplémentaires, celui qui tue côté a un point en plus. Ah, yes. Ouais, ouais. Allez, si vous avez suivi le master kill, vous allez comprendre qu'entre deux, ça va pas le faire. Pour le Royal Rumble, les grands amis. Je propose un tilted, moi. Non. Vas-y, on donne à Zank. Zank choisit le premier. Allez, neutre. Paris Tail, c'est trop tard. Salty Springs. Allez. Dans la compte ta mère. En vrai, Gigi, je sais pas trop ce qu'il vaut sur Fortnite, mais je pense que. Il est complètement vénère. Non, mais Gigi, il aime bien se faire. C'est pour un mec nul, mais genre. Non, mais. C'est genre. Gigi, il a levé le tout. Gigi, il a gagné un tournoi là-bas. C'est des lannes, je vous le rappelle. Pour rappel, les gens, c'est pas chill. Prenez pas chill, les gens. Ah, pas chill, c'est vrai. Je vais station essence, je vous le dis. Non, mais je te la laisse. Oh, y'a Gotaga, maison tout en bas. Ah, ouais, non, Gotaga, faites attention. C'est bon, je suis mort. J'ai tué le roi, bisous. Fuck, mets ton bain. Fuck Solary. Fuck Solary. Vamos. C'est notre seul cible de jouer, frérot. On a pas le droit de prendre de shield. Non, pas de shield, les gars. Camille a pris un shield. Y'en a 250 à côté de moi. Il en a mis, les gars, moi je vous le dis. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le timer se finit quand déjà? Désolé. Là, vous êtes large, c'est 5 minutes. Putain, par j'ai round, eu tellement chaud. Et pour être honnête, vous avez même pas démarré. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est gratos sur celle-ci. Et il a démarré maintenant, donc à partir de maintenant, vous avez 5 minutes. Et du coup, c'était la game de chauffe? Ah, y'a pas de game de chauffe, au Royal Rumble. Il faut être prêt tout de suite, d'accord. Mais il a pris du shield ou pas? Parce que là, si c'est une vraie info, on peut lui mettre un. Il a pris. Aïe.
Aïe aïe aïe, je suis mort, je sais pas c'est qui, diffuseur 263. Aïe aïe, c'est du ca... ça c'est du c'est Gotha. Ça. C'est moi, c'est moi. Ah, c'est Xra. Ah non, bah, c'est le Xa. Ah, ouais. Enlevez le mode diffuseur, les potos, on a besoin de voir. Oh, bah, il m'a détruit aussi. Il m'a détruit. Xa, il m'a détruit. Xa, il m'a détruit. Diffuseur. Ouais, moi aussi je suis en diffuseur, désolé. Je le ferai pour la prochaine game. Aucun sauce, mon pote. Ah ouais, mais un diffuseur ça touche rien. C'est parce qu'on diffuse un max en fait, mec, désolé. Oh, dommage. Oh là là. Diffuseur 262. Bien joué, diffuseur. C'était qui? C'était qui ça? C'était moi, c'était moi. Y'a un mec qui m'a rushé, je sais pas qui il c'est. Il reste qui du coup? Il reste Zank, Gotha, Dwag. Je sais pas, y'a mais... C'est qui là? C'est en face de moi là? Moi je sais pas, je suis peut-être quelque c'est part. C'est toi le juge? Quelle erreur les ballons! Quelle erreur les ballons! Eh, ça marche comment les ballons? Ouais, ça j'ai. Ah ouais, je connais pas les idées. Je crois quand t'en as 4, tu voles. Y'a beaucoup de trucs que j'ai jamais vu là, je crois. Ouais, bienvenue. Et le timer, il faut qu'on ait fini à quelle heure? Enfin, quoi? Il reste 3 minutes 25. Non, mais. Y'a des mecs partout, mec. Pourquoi tu balances, mec? Tu m'as tué. Les gars, y'a un mec qui me rush en maison bleue, pas cool. Je pense c'est Coco. Pas cool. C'est lui. Bonjour, Corentin Hussein. Salut, mec. Oula. Bonsoir. Milou, le mec que j'ai shooté en ballon. C'était qui avec les ballons là? C'était moi. Y'a Zank entre toi et moi. Oui, bien sûr, je suis parti vite. Non, moi je suis pas là, je suis pas là. Donc le mec de la constru, c'est Zank ou il est ailleurs? Non, moi j'ai rien à voir, j'ai rien à voir. Combien de temps il reste côté? Tu l'as pas dit une fois? Je l'ai dit tout à l'heure, 2,50 là. Vous êtes le nailer fou. Il reste combien de temps? Mec, moi je suis sneaky. Il reste 2 minutes 37. C'est le skirmish là. Moi j'en fous le skirmish un peu. Mais vous êtes où genre? Oh là là. Oh là là là. Là j'entends des mecs au grappin là, je sais pas ce qui se passe en fait. Il reste combien de temps là? 2 minutes. En fait moi c'est... attends, je vous dis un call, j'ai pas de pompe en fait, c'est pour ça que je vais pas rusher. J'ai pas de pompe. Moi non plus, j'ai pas de pompe. Oh, allô. Mais pourtant tu m'as rushé tout à l'heure. Allô. Il est en train de bait là. On le connaît plus. Non, il peut plus marcher Gotha, le tuez pas. Il est où, il est où? Ah, c'est bon, il peut marcher là. Il y a un mec qui le rush là. C'est Zank. Bien joué Zank, vas-y. Oh, c'est bon, j'entends des balles. Oh là là! Oh god! C'est bon, moment où ça bug, le rusher pas les gars, il bug! Il y a Zank qui est mis tranquillou! Il a rush direct, le stream aussi! Oh, c'est touché! En fait, Zank il est. Oh, c'est touché! Oh là là! Oh, qui a rush mes bâtards! Toi, j'ai pas! Eh, collé! Il reste 1 minute 30, 1 minute 30! C'est pour personne! Un problème avec les edits peut-être? Un peu perdu là, monsieur! Un peu ah, c'est bon là, les edits! Allo? Oh, il est vif! Il se vérifie! Ouais, vous c'est l'air mec! Et dites-vous qu'il est top 2 là, hein. C'est dingue! Hein. J'entends des mecs, mais. 1 minute 5 bah, y en a secondes! Plus donc je suis contre Jiraya, c'est ça? Moi je suis pas où? What the fuck? Oh! Je suis très mort, t'étais trop mignon! C'est quoi cette finale? Ah, t'étais trop mignon! C'était quoi ce top? Trop choupi! T'étais trop mignon, il était juste derrière! Je te jure qu'il a fait un petit drapin et tout, il se baladait! Bi est trop chaud! Ouais, ce soir c'est mon Royal Rumble! T'étais dans la maison? Calme, calme! Non, les gars, par contre, il y a vraiment un truc qu'il faut faire, faut absolument pas que Dwagby en gagne un de sa vie, genre! Non, s'il te plaît, gros, attends, j'ai. Ok, ok, après c'était que le premier. Enlevez tous le mode diffuseur! C'est mon 67ème! Ouais, je l'ai enlevé là! Vas-y, on le snipe, on le snipe! Alors là, les kilopompes font au moins 3. Oh non! Parfait! Un kill ça te fait un point? Un kill ça te fait un point. Okay. Donc si tu tues quelqu'un en pompe, t'as à moins 2. Ah, ok. Ah d'accord, il faut pas. Mais non, tu peux non, attends, mais tu peux mettre l'eau avec, mais faut juste pas tuer. Ouais, wow, c'est chaud. Ok. On va pas prendre de pompe. On va juste pas le prendre quoi. Et du coup, ça veut dire que tu marquais des points. J'ai fait top 2 alors. Ah, top 2, mais trop bien. Tu marques 7 points déjà de base. Ah, ouais. Et t'as fait des kills. T'as fait des kills quand même, J ou pas du tout? Non, 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 j'ai pas vu. T'as fait 7 points. T'as fait 7 points avec ton top 2. C'est très clean. Ah ouais, en fait, moi je pensais les kills c'était récompensé. C'est un point par kill. Ah, y'a pas de kill récompensé. Parce que moi j'ai pris mon duel contre Sakor. T'as pris ton duel enculé. Il a pas d'arme. Il a une arme, mais j'ai il a pris un pompe sur la station de service, il m'a mis 2 balles, fini. J'ai pas compris, j'ai tué Kotei, mais il était en train de taper dans un mur alors que j'étais à côté de lui, j'ai pas compris. J'étais pas entendu parce que j'ai le casque inversé, moi aussi. Deux arnaqueurs là-bas. Attends, c'est moi le dernier? Bah, il check à la fin. On va au spawn de mort. On va à Junk Junction. Oh, t'abuses. T'es sérieux, maintenant? Junk Junction. Je vois même pas où c'est. Ah, c'est tout au fond. Ah, mais mec, t'es sûr là-bas? Mais la tête, la que t'as. Remerciez bien tous le chauffeur. Merci le chauffeur. Merci. Je regarde Gotha pour savoir quand il faut drop. Vive Junk Junction. Mais y'en a qui sont tellement bas là, vous êtes trop forts les gars. Moi j'ai suivi Gotha. Ah, tu me vois mec? J'ai mis spawn. Le truc en fait c'est que je suis bas, mais je sais même pas où il y a des coffres. En fait le problème c'est que je suis dans la plaine moi. On a le droit au shield là cette fois? Ouais. Mais pompe moins 3. Oh bah j'ai pas d'arme. Non s'il te plaît. J'ai pas d'arme. Désolé gros, ça va trop vite avec moi. Vas-y, je peux rien faire. Attends, on le shield, pas ça, c'est le pire spawn des malus ou pas? Non, pas du tout, c'est juste pour pas 3. Mais le shield, c'est. Aïe aïe. Moi j'avais un snipe. Non, non, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais ça se fait pas. Bien joué, Jiraya. J'ai trop de. Je suis méga chaud, mec. Gros, je suis un monstre. Y'a pas d'armes. Quel spawn incroyable. Bah, t'es bien, toi t'as une arme et tout, vas-y. Bah, ouais, mais vite fait quoi. Il rend fou de LRB là. C'est le pire spawn, j'ai pris cool. C'est toi qui as choisi. Mais c'est toi qui as choisi. Je déteste ça, quoi. C'est quoi les ballons là? Tu peux aller dans les airs et tout. Mais c'est un peu bof quoi. C'est incroyable les ballons. Alors, game normal, mais ici. Il y a un mec dans les airs au lieu de. Tu l'as vu? Il y a un mec en ballon, ça respecte pas là. Aïe aïe. Oh le chien. Aïe, oh, le chien. C'est l'eau. Non mais vas-y, toi, Guilissa. Qui c'est qui prend le kill quoi?
Oh non. Mais qui c'est les quoi, Kota? Bon, j'avoue que j'ai volé. Il vient d'en voler, hein. Doc, t'as KS1 kill, c'est vraiment un chien. Je m'en bats les couilles. C'est vraiment pas la tuyau pompe, pas la tuyau pompe, la tuyau pompe. Mais gros, j'ai un pompe double coup, etc. Mais c'est. Oh, c'est pas ça, c'est je vous le rappelle, il reste 3 minutes. T'as 4 fois mon niveau. Non, mais il a d'autres armes en plus, hein. 3 minutes. J'ai pas le choix, t'as 4 fois mon niveau. J'ai obligé de prendre un avantage sur l'arme. Ton avantage, tu prends moins 2. Ouais, non, mais au moins, je perds pas contre Gota. En vrai, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il fait top 1. En vrai, c'est worse. C'est qui le dernier en vrai? C'est Zang, Zang. C'est moi, c'est ultra chaud. Non, putain, pas contre Zang. Zang, poteau, bien, on discute. Il est où, Zang? Sur un des côtés en fait. Ouh, ah, tu l'as vu! Mon pote, on se fait pas un duel marrant, on se fait pas un truc cool? Oh, absolument pas, il veut juste rush là. Mais gros, là t'es dans le pompe, hein. Je t'ai prévenu, j'ai pris je sors le pompe. Hein. Tu fais ce que tu veux, mais le pompe est sorti. Tu vas prendre moins 4 sur cette game? C'est beau ça. Il fout le bluff, c'est toi. Ah, le pompe est sorti. T'entends les balles ou pas? Non, mais il tire à la danger en mode. Il croit il va bluffer qui comme ça? Voilà. Allez, bon. Oh là là, ce pompe de sortie monstrueux. Il fait flipper, man. Top 1 pour Zank. Il va aller vite, Royal Rumble. Zank est très très bien dans cette compétition. Putain, je suis chaud sa mère, putain. On va tirer au sort le prochain défi et j'avoue que j'ai pris un malus. Mais comme je vous le dis, quand je suis face à Gota, je prends le moins de risque possible. Imagine, tu aurais une notion avec Zary, mec. Mais je crois que c'est une salope, quoi. Je fais top 2, c'est même pas worse. Mais tu sais, dis-toi, Doig, j'avais 3 pompes sur moi. J'avais le double coup, j'avais tout. Ouais, toi tu voulais pas prendre le malus. Moi, je suis mais dans c'est la file, qui m'a volé mon kill sur. Ouh, plus 5 au piège. Sur wow. Là, du... Oh, ça c'est Gota ce soir. C'est non, c'est Doig, c'est Doig. Moi je peux pas jouer au piège, donc c'est une game normale. Pourquoi t'as pas la touche? Non, j'ai pas la touche. C'est qui choisit le spawn du coup? Bah, je crois que c'est Kamel. Non, c'est moi. Kamel, t'as croisé la route. Fais-nous plaisir un petit peu. Parti, tilted ou quoi? Tu vas voir si je vais te faire plaisir. Un petit tilted? Paradise là. Paradise? Paradise, c'est lourd non? Là, tu fais un kill au piège, t'as quasiment gagné ce soir. Mais non, mais c'est que 5 points, qu'est-ce qu'il raconte? Énorme. Et alors? Oui, mais un top 1, c'est. Du coup, c'est où? C'est Paradise? C'est Paradise, ouais. Palms. Allez, Paradise, c'est grand. Au sud-est de la map. Merci pour les précisions. Pas de soucis. Ah, il faut sauter maintenant, les mecs. Oh non. Ça a sauté tout seul, je te jure, ça a sauté tout seul. J'ai suivi du coup. Quel dommage, dommage. Tu es un peu en retard, mais t'es tellement meilleur que nous. Mais oui. T'es un joueur professionnel, gros. Non, c'est pas ça, c'est Kamel aussi. Est là. En fait, depuis tout à l'heure, je regarde quand il jump pour jump en même temps. Non, mais j'ai pas fait exprès cette fois-ci, je voulais juste mettre un marqueur sur la map. En plus, on peut pas remake, c'est dommage. Non, mais t'inquiète. Oh, y'a un piège direct. Oh, y'a un mec qui a ramassé P80. Non, mais Kamel, t'étais trop rapide en vrai. Là, c'est une game normale, juste les pièges, c'est plus 5. Et c'est qui le mec vénère? Mais non, mais. Putain, suis-y. Wow. J'ai pris 15 bras aux roquettes. Ouais, t'inquiète. Kamel, deux fois dernier quand même, c'est grave. Frère, j'ai même pas. J'ai pas le temps de spawn. Salaud, c'est qui ça? Allez, j'ai perdu mon royal. Oh non. Horrible joueur. Ah, Zank, ma bête noire. En tout cas, il y a Zank contre Gotaga là dans quelques instants. J'ai pas fait un kill. Peut-être que c'est pas Gotaga, c'est peut-être là que tout se joue dans la tête. Gotaga qui est dans le mal quand même, hein, avec quelques rafales. Ah, je mis un putain, il est tout là-haut lui. Après, je sais que t'as mis un piège, Kota, je t'ai vu. Il reste 3 minutes, messieurs. 3 minutes. J'aurais pas dit quoi, il s'est fait laver par un mec ou? Ouais, je suis mort direct. Ouais, c'est ça. Il est encore là le coco. Ouais, c'est sûr. Paradise, c'est pas mal. Il y a Jiraiya là qui est en duel. Jiraiya qui tombe face à Xari. Ah, bien joué Xari, t'as juste le duel fratricide. Oh non, oh, il wow. Il déroule le roi bisou nul, trop nul. J'ai pas de plus à chien. Fuck le stream. Oh, yes. Attends, mais t'avais 200 HP, Jiraiya. Ouais. Quel enfoiré. J'ai trouvé la gourde du brave dès le début. J'ai mis une année à te tuer, gros. Bah oui, mais surtout que genre j'arrivais pas à switch d'armes. J'avais qu'une arme en fait, j'avais qu'une arme. Oh LRB, je crois en toi, tu les as vus. Oh non, il le fait. Alors que. Oh LRB. Oh my god. Y a le duel. Oh LRB. Le roi bisou. LR bisou. Le duel entre les deux favoris de ce soir. Qu'est-ce que t'as fait, LRB? Tu l'as vu, ouais, je suis comme ça. Il fallait monter, je suis bigleux, je suis bigleux. En plus, t'as ton truc. Ouh là là. Ouais, bah tire au pompe à cette distance, yes. Ouh là. Wow, Gotaga qui s'enferme en sandwich. Gotaga face à Zank. Oh putain, à 5 ans. Oh damn. Le roi bisou qui valide son kill sur Zank. Gotaga contre le roi bisou, le 1v1. Solari contre Vitality, c'est maintenant. Il vous reste 1 minute 45. Oh, salut. Oh, 30 Choco le bâtard. Il va mettre un piège. Mais faut que j'en trouve un déjà. Il me respecte pas. Oh, il me respecte pas. Attends, genre, si il me respecte pas. Une 39. On regarde, hein. On regarde bien maintenant si je touche. Il s'en bat les couilles. LRB, pas maintenant. Tu vas lui mettre. J'ai froid, mec. Pas après tout ça, LRB. Te fais pas humilier, je t'en supplie. 1 minute et 20 secondes. Mais il cherche un piège. Regarde ce chien là. Il cherche un piège là. Il cherche un piège, hein, 100%. Ah, si. Ouh là 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 là. T'as pas failli prendre le piège. C'est long, d'accord. Est-ce que t'as failli prendre le piège, Gotaga? Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non, il t'a pas vu. RB, creuse juste en dessous de toi, mec. Ouais, il est en train de. Non. Fais gaffe, il y a un piège, j'ai l'air de te le prends pas. Reste 1 minute 05. Non, juste là, à gauche. Attends, je le scope. Non, à gauche, là, il y a un piège, vas-y, va dedans. Va dans le piège. Oh non.
Aïe, 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 aïe. Oh, le nose, j'ai tenté, j'ai tenté, j'ai tenté. Le joueur français. Si je l'avais mis, le mets, c'est le karma. Au plafond, il aurait peut-être pris. Oh, d'accord, ça va trop chier, mon pote. J'ai entendu un petit flash. Combien de temps? 40 secondes. 40 secondes, effectivement. Ils vont pas se faire. Attends, je Gotha, je suscite-toi sur le piège. Allez, c'est quand même un gros. Ah, j'ai aussi, ça c'est incroyable. T'as un gros monster. Je suis zéro, je suis derrière. Attention, il reste 30 secondes, 30 secondes. Oulala, il se cache bien en place dans sa game. 25 secondes, 25 secondes. Vous partagez les points, d'accord. Au pire, cache-toi. Ouais, c'est moitié moins. Oh, 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 tu méritais tellement. Dommage. La balle, elle était insane. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce karma? Parce que là, il méritait. Tu m'as mis une sale balle. Putain, j'ai fait chaud. Putain, dommage. Oh là là, ça corps. Bon, dommage. Gotaga fait quand même son beau top 1 là-dessus et marque les 10 points premiers au vainqueur. Putain, mais en tout cas, cette balle, elle a l'air waouh. Elle était insane. Mais je sentais que j'étais quand même ta bête de foire, quoi. Il se baladait sur la même chambre. Oui, il est où? Mais gros, il fallait te suicider dans le piège. Ça m'aurait juste fait que 5 points. Pas mal, le nouveau défi pour ce round numéro 4, explosif plus 2. Est-ce qu'on accepte bazooka, lance-grenade et tout? Allez, on accepte tout type d'explosif. Allez, Jiraya, j'en peux plus là, c'est ma terreur. Je suis ta bête noire. À chaque fois que je saute, je meurs, Jiraya. Kamel, t'as fait combien là? Top 10. Et du coup, c'est quoi le spawn, notre cher Kamel? C'est moi encore. Bah, du coup, c'est Kamel là. Retail Row. La ville de Cut Royal Rumble, effectivement. C'est là où tout a démarré. Xari était là, je crois, pour la première. Ouais, j'étais là, j'avais pris 3 fois, j'étais mort direct. C'est vrai que tu as démarré ici, Xari. Ah, t'as kiffé le premier? J'avais Shine, mais la première fois j'étais là. Je crois qu'on était 9, 11, je sais même plus. C'était n'importe quoi le premier Royal Rumble. Attends, mais j'ai bugué, les gars. Ah bah. Non. Oh non. Oh, oh quel dommage, c'était premier quoi. Dommage quoi. Comme tu peux le remarquer, ça fait vraiment du mal à tout le monde. Hein. Eh, oh, 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 t'es chez moi toi? Mais toi, je vais. Oh, j'ai une arme de ouf. Ah, j'ai bugué. T'as vraiment full chat. Ah, je me rappelle au dernier Royal Rumble, j'avais aussi bugué. J'ai précisé que c'était ma maison. C'est vrai. C'est pourquoi je fais ça? Mais c'est moi, je crois que c'est moi. Eh, comment je fais pour retirer le ballon? Mais t'as failli me bullshit en vrai. Bah, j'ai vu, mais c'est pour ça que. Clic gauche, je crois. Ou tu changes d'arme, tu changes d'arme. Ouais, ouais, mais j'avais gagné ce soir. Bon, en tout cas, ce qui fait que Gotaga débloque le premier kill. Il y a eu un second. Moi, si vous voulez, je propose un remake, mais que Dwek soit mort. C'est Zank qui est. Non, mais non, attends, on va pas faire un remake. Non, mais Zank, il a eu un bug. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est lui qui est 8ème ou est-ce que c'est moi? C'est toi, mec. C'est toi, c'est toi, gros. C'est toi, gros. Un peu bâtard. J'ai 200 de vie en remake. Bah, j'ai 200 de vie aussi. C'est pareil. Mais j'ai pété un coffre. 200 de vie en remake. Les remakes en Royal Rumble, dites-vous sur le chat, c'est toujours trop difficile. C'est impossible, gros. Mais oui, c'est impossible. Moi, si vous, je propose un remake, mais que Dwagby soit en spec. Bah, non. On va pas faire ça à Dwagby. Moi, je pensais que Zank. On peut très bien faire ça à Dwagby. Je te jure qu'on peut. Moi, je pensais que Zank avait call le remake et qu'on la jouait pas. C'est pour ça que je suis dans ta. Non, 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 y'a pas de ça. Y'a pas de ça. C'est trop tard, là, de toute façon. No remake, no remake, c'est pas grave. En fait, ce qui est trop bien, c'est que là, le prochain qui va mourir va être en mode ouais, vous avez raison, les gars, go remake. J'attends juste ça. J'attends juste qu'un mec. Ouais, j'avoue, go remake. J'attends des balles. Il a pris des balles. Ah. Oh, je suis le boss. Oh non. À l'explosif. À l'explosif, c'est 2 points supplémentaires. Je peux rien faire. Bah ouais, mais c'est boss. Le boss. Il y a une tireur de cheminée en plus. Mais qu'est-ce que je fais? Du coup, on remake cette game? Ah, bah le chat il est en mode c'est pas juste. Oh, la petite balle, remake en pour Zank. Moi, c'est pour Zank que le pauvre aime pas jouer. Mais bien sûr, moi aussi, hein. Ouais, super mal. Non, oh, je sais pas, c'est le deuxième explosif. Ah, mais, putain, après la Jiraya, jamais de la vie, Gigi voudrait un remake. Hein. Jamais de la vie. On peut remake et donner des petits points à Jiraya, tu vois. Allez, gros, il vient de faire le round, quoi. Jiraya, le boss. J'entends encore des explos, hein. Mais c'est Gigi qui est en full rush, là. Mais c'est Gigi. Mais c'est un monstre. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Moi, je sais pas ce qui m'arrive. Moi j'étais à 20, j'ai pris des grenades, j'ai GG. Non mais j'ai vu, mais quand même, tu vois, il rage. Il a mis la pression de ouf, hein. Non mais là il fait trop de points. Deux kills à explosif. C'est. Non mais jamais vous. Non, le jamais on va la remake. C'est impossible. Jamais on la remake. Je suis un fils de pute sur la remake, celle-là. Non, non. J'ai quand j'ai. Oh, ça pue. Oh, c'est Raya, Xari, Gigi. Ah, tout le temps, ils jouent trop bien les deux là. C'est le duel final, il reste 1 minute 30 entre vous deux. Ça bulle fight de fou, ça bulle fight de fou. Ça sera forcément un joueur le stream qui s'imposera sur ce round numéro 4. Oh, ah. oh là. Il voulait farm un peu, il était en galère de farm. Oh. Prochain qui tire, prochain qui touche gagne. Prochain qui touche gagne. Oh. C'est Xari qui prend l'initiative avec le jump. Oh là 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 là. Ça paye. J'ai tout donné. J'ai mis 9 balles à un moment à 150. À un oh là là, Gigi, ouais, ce monstre. Je t'ai explosé et j'ai fait mes 3 petits kills quoi, mais il y en a 2 explosifs. Alors, on est obligé de poser la question, sachant que Zank a été quand même pas mal pénalisé. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est une game de plus. Ouais, une game de plus. Ouais. On peut faire une game de plus. Ça me dérange. De toute façon, on était dernier nous, donc ça nous donne des points. Ça nous remet un peu dans le classe. Du coup, on dit qu'on fait une game de plus justement pour Zank. Allez, vas-y. Mais tu vois, ce groupe là, c'est pas une spéciale pro ce soir, vous l'avez remarqué. Ce groupe là, il est solidaire. Si on remet
remake la seule game que je gagne de toute ma life. Bah moi même en faisant top 2, c'est à deuxième de plus. Avec deuxième, c'est pas drôle. Non mais il a raison. Il y a la roulette, il y a la roulette. Ouh, et c'est le Bambi. Ça peut tout changer. C'est Kameto, le c'est Kameto. C'est Kamel. Let's go. Oh, Kameto. Il vaut 6 points de plus si vous arrivez à le tomber. Et en même temps, tes points à toi sont doublés. Non, en gros, ça change rien pour moi. Mais faites gaffe. Celui qui tue Kamel, c'est 6 points. Ouais. 7 points. Parce que t'as aussi le point du. Ah ouais, non, c'est le meilleur. Ah oui, ça peut clutch. Moi, Kamel, vu qu'il regarde mon écran, je vais juste le temps d'une game, peut-être regarder vite fait le drop. Non, mais pareil, je vais m'inspirer des meilleurs. Je vais voir où tu drop. À quel moment j'appuie sur l'espace, quelle maison faut lutter. Est-ce que c'est bon, t'as le skin Bambi Kamel, je peux lancer, bon, tout le monde est dans lancer. La game. Mais faites gaffe aux apparences. Hein. D'autres Bambi quoi. On va où, on va où, c'est qui, c'est moi, je veux tirer. C'était moi le dernier, donc c'est moi qui choisis et je vais choisir Pleasant Park. Oh, de toute façon, droit, okay, pas mal. Tu me dis quand on drop Kamel. Alors attends, normalement c'est un carreau, deux carreaux. Moi je vais aller vers le haut de la ville, maison tracée. Ok. Et que je vois pas Gotha tuer Kamel. Mais non, c'est super bien Kamel. Je propose qu'on reste sur la POV de Gotha, comme ça on voit s'il regarde l'écran ou pas. Non, mais il regarde pas. C'est quelqu'un de il y en a un qui est ultra loin là, qu'est-ce qu'il a branlé. Oh le Bambino. Je crois que j'ai troll là. C'est toi l'herbé. Non ça va, je vais y arriver. Il y a un mec qui est allé à rentrer dans Pleasant Park là. Oh j'ai mis une tête d'instant. Oh ça tire là. Oh j'ai full shot. Non. Ouais désolé Kamel. Oh ouais, y'a Kamel. Mais what. Yes. Mais au pistolet, mais c'est une blague. Ah s'il y a des bons joueurs et des mauvais. Au pistolet. Non mais wesh, il l'a mis deux têtes sans faire exprès dans l'escalier. Mais t'es malin, c'est sans faire. C'est mes années sur CS ça. Il a glissé. C'est les années CS. C'est incroyable. Comme une espèce. Un gamer mais bien sûr. Reste calme frère. Un des plus gros gamers. Skyguard. Ouais Dwag. Yes. J'ai un prompt poteau, il a un petit gun, il l'a mise. En mettant. Je l'avais même pas, c'est le tien. Y'avait que des guns. Non, ce que j'ai dit, j'avais un pompoteau. Kameto, il est toujours en vie du coup. Là. Non, non, il m'a tué. Non, non, il est mort direct. J'ai même pas eu le temps de tirer une deuxième balle côté, c'est insane. Après, tu connais quoi. Ta monstruosité quoi. Non, mais vas-y. Oh, t'avais une 50 sur toi. Désolé, frère. T'es vraiment pas désolé. Désolé, hein. Putain, il est très heureux là. Je suis désolé, mais je te la prends. C'était un peu ça. Mais honnêtement, tu t'es vachement mieux à défense, du coup. Ok, bon, les gars, je vous dis, j'ai pas mon mieux quoi. Avec ce que j'avais, il m'a vu ce bâtard. Non, shotgun, si vous avez un pompe, n'hésitez pas. Non! Oh là là! Ah, par contre, j'ai ça, mon frère! Ah, j'ai tenté! Attends, mais tu t'es sérieux, gros? Mais toi qui va gagner là! Mais toi qui fait une game à 25 points là! Allez, il a tué le Bambi en plus! Il a tué le Bambi, ouais! C'est moi! Mais comment tu m'as tué? Oh, il a tué le Bambi là! Ah, il a tué le Bambi, il a tué le Bambi! Mais attends un peu! Attends un peu! On serait quand je suis prêt! Mais Xari va gagner là! Vas-y, ça me saoule, Xari, trop fort! 1v1! C'est Xari qui a kick you, je rêve! Ah, il vient de me tuer là! C'est qui alors contre Xari? T'avais un pompe! Et je sens que c'est la soirée de Dwag! Il va le faire! Mais impossible, mec, j'ai fait top 8 et top 7! Impossible! 6 points, ça rattrape! J'ai fait top 8! Mais y'a personne à foutre, mec! Y'a personne qui est vraiment devant! Donc en gros, tout le monde est proche en point, tu vois! Ah ouais, mec, ça serait fou! Mais regarde pas les points, regarde pas le Google Doc, faut que tu saches à la fin! Si tu veux, je ferme! Ouais, ferme, faut que t'aies la surprise à la fin! Vas-y, j'y crois! Non, en vrai, gros, t'étais trop bien! Ok, ah ouais. Ça va être la soirée de Dwag! Non, ça serait... Mais il a jamais gagné Royal Rumble avant alors qu'il est fait. Ah, jamais, j'en ai fait 67. Ouh, ça sort qui t'a. Ah, 67 Royal. Par contre, je pense vraiment Xari Gigi. Vamos, vamos! C'est encore Xari Gigi, c'est un duel qu'on voit très régulièrement. Non, mais moi je suis mort moi. Mais alors, c'est qui? C'est Zank. Ah, mais c'est Zank alors, l'overlay, pas vrai. C'est Zank. D'accord, pardon. Il reste 2 minutes, les mecs, 2 minutes. Zank. Xari. Oh, Xari qui out beat. Oh, les maudits, oh, dommage. Là, 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 dommage, là, dommage, dommage d'être 10. En fait, j'ai pas trouvé un seul shield alors que j'ai fait deux maisons entières. S'en bat les couilles. Zank est très très bien. Là. Très, il est pas mal. Zank est bien, Dwagby est bien. Oulala, ça va être chaud. Tous les pistolets plus 3, les gars. Là, à côté, t'aurais été bien sur cette game. Là, on rentre dans les deux dernières games. Tout se joue maintenant. Qui est mort en premier? Je vais pas regarder le doc. Je fais que de mourir au spawn. C'était toi? Je vais arrêter de regarder Gotha. S'il vous plaît, me focussez pas. On va où? Attends, Tilted. Oh yes, yes. Tilted toi. Et du coup, il y a une minute en plus, il y a une minute en plus à Tilted. Gotha il va au L. Mais attends, comment tu sais alors qu'il est déjà. Je suis en sérieux. Gotha il va au L, ok. Trop fort. Il va toujours. Je crois qu'il y va vraiment. C'est qui en skin Bambi encore là? Ah, c'est moi. Ah, c'est moi aussi. Ah, t'as pas changé toi. C'est la Kameto Corp. Toi, tu vas anéantir mes rêves de Royal Rumble toi. T'as voulu jouer mon pompe toi? Reviens ici. Reviens ici. T'as voulu jouer mon pompe toi, t'es sûr? Non! T'as voulu jouer mon pompe avec ton vieux piège là, dégueulasse. Allez, putain, j'ai voulu tuer au gun. Désolé mon bon. Je t'avais vu en haut, j'étais en mode, j'étais entendu prendre l'arme, j'ai flippé. Mais j'aurais dû jouer au Mac. Reviens quand tu veux, mec. Mais je pense que t'aurais pu me défoncer en fait si tu m'avais suivi direct parce que j'avais pas d'arme. Ouais, mais j'ai pris du temps à atterrir et tout. Y'a personne qui parle. J'ai rien qu'à faire. Mec, je dis, mec, moi je suis en train de looter. Full try hard. Oh, les balles de pompe, ça fait trop peur. C'est pas toi. Mais non, oh la canette. J'en ai marre. Non, mais je ressens ce qu'ils ressentent, les joueurs, quand ils viennent pour gagner. Non, mais t'imagines, mec, que là on joue pour R. Moi je joue ma vie là. Ok, je suis full stuff. Y'a son père là. Genre là, je peux faire top 1. Enfin, genre là, vous mettez dans une vraie game à 100, je fais top 1. C'est pas à 8 que.
Oh ouais, moi j'ai rien pour toi. Oh putain, Gotha. Y'a pas moyen juste que quelqu'un tue Gotha. Juste tuer Gotha. J'ai le temps que de lui mettre une balle de pompe en fait. Il est déjà pas mal en soi, GG. Ensuite il s'est retourné et... Hey, c'est quoi la faille là? On a le droit de faire ça? La faille portative, mec. Bah pourquoi il aurait pas le droit en fait? Non mais c'est le mec. Bon, on a le droit parce qu'en fait c'est pas dans les règles du royaume. Oh! Oh la vie de ma mère! Oh, ça m'aurait pas plu. Il est trop fort. Bah en fait il l'a regardé et... Une grosse balle de Magnum. Encore une fois. Dans les airs hein. C'était quoi ça? Non mais ce que je me prends ce Royal Rumble c'est quoi? Insane genre. Oh bah y'a une autre tête qui est partie là-bas. Quel crack. Regardez le mur le pauvre LRB. Mais je voulais rentrer dans le truc. Doc bah, tu dois mettre des points là Doc. Parce que Zank il a tué au pistolet. Attends mais Doc est pas mort. Doc c'est le boss. Ah. Oh. C'est sa partie, c'est son Royal Rumble. Oh, dommage. Viens là toi. Viens là avec tes 2x37. Dans le blanc. Alors que je suis à 257 HP. Ah mais quand même. Je suis en train de te rush gros. Je suis en train d'arriver comme jamais. Calme-toi, toi. Zank, t'es prêt ou pas? Oh, bon. Bah, ouais, je t'attends, frérot. Non, mais j'arrive vraiment énervé. Hein. Je me suis remis full shield là, si jamais. Menteur. J'ai full shield là. Oh là. Et le troisième adversaire qui arrive dans le match. Le temps, les potes. Oh là, 34. Hein. Oh, ce serait con d'annuler cette game en fait. Oh, relou. C'est vraiment chiant. Eh, venez fight là, les Non, mais vous campeurs. Avez encore 2 ou 3 minutes, les gars. Prenez votre. Combien de temps? 2 minutes, 6 minutes. Non, mais dites la vérité. 1 minute 20, je t'ai dit. 1 minute 20, ok. Oh là là, Zankyo, il les a vus se battre en fait. Il reste Xayah aussi, non? Yes. Ouais, les Zankyo travaillent qu'avec les meilleurs en fait. Il reste là, toi. Ouf, ça se laser. Barre-toi gros. Barre-toi. Non, mais t'es pas sérieux, Xari, à camper comme ça! Mais comment ça? C'est le jeu, c'est normal. Putain, il reste 53 secondes. C'est bientôt fini là? Oh, si ça compte pas, Dwag. C'est fini, ça compte plus. Mais non. Terminé. C'est terminé, ça compte plus. Lâche-toi, lâchez vos armes. Je crois que ça compte pas en fait. Oh! Mais ça compte pas. Non, s'il te plaît, Garry gagne au moins. Il a trop de points, Zan. Ah, je le vois pas. Ça compte pas. Vas-y, Xari. Vas-y, ouais! Oh, c'était close hein! 5 HP! C'était close de fou hein! Gros, je le voyais pas, il était en dessous en fait! Par contre, cette balle Zank, c'est waouh! Ouais, la petite gueule là! Bah, je crois que c'est la meilleure balle de la soirée en fait! Oh, aïe, quelle belle chance! Non, mais là, à cette soirée, je me prends des trucs, c'est. Nouveau défi, pas de coffre! Pas de coffre? Pas trop marrant ça! Ah, interdit d'ouvrir le coffre! C'est la dernière game, je pense que Xari est actuellement très très bien avec Zank et moi peut-être! Je pense que là, j'ai pris un peu de retard! Attends Zank, parce que t'as gagné 2 fois aussi et là, t'as fait 2 Xari! Quel enculé Zank, il est largement devant! C'est la dernière de ce Royal Rumble! Solo. C'est quoi le spawn du coup là? Côté qui est mort en premier. Ça va, Titeut? Allez, côté. Encore Titeut, s'il te plaît, non. Non, c'est le Titeut. Non, change. Vas-y, on change, attends 2 secondes. Dépêche-toi. On a toujours des galères, Titeut. On va à Dusty. Non, ok. Dusty, non. C'est bien Dusty. Ok, mais Dusty que l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, y'a pas les coffres. T'inquiète, frérot. Ça va être un enfer, un petit. Ah, ça va être nickel ça. Je pense que je vais passer un bon moment. Aïe, allez, fuck Kamel. Non, non, gros, fais pas ça. C'est trop la Kamel. Ça dégage, voilà Kamel, je te venge. Gros, je. Putain, mais mec, c'est quoi Vas-y, fuck LRB! Viens te battre, toi! Mais c'est du bon spawn, hein! Non! J'ai trop peur, je t'ai pas vu! Moi aussi, c'est failli turn! Donc, il est passé devant 6 coffres, hein! C'est... Bah, j'ai pas ouvert un seul, hein! Je veux dire que depuis tout à l'heure, il a tous les coffres! Oh là, c'est parti, ça va péter! Oh yo, ça c'est Xavier, ça, de maison! Moi, je vais pas balancer, mais d'où? Oh le Xavier, je suis Xavier de maison! Et j'ai un mec là! Laissez-moi voir le corps! Oh là là, Dwagby le corps! Ah, mais il reste encore Dwagby, Zank et Xari là! Jure! Non, moi je suis mort, je Non, il reste Gotha! Il reste Gotha, ok! Et peut-être le move là de la part de Dogby qui est en train de viser cette porte depuis 3 quarts d'heure déjà. Arrêtez! Oh là là, la dep! Il a cassé le truc hein! Xari le champion! Mais il fait que parler comme ça, il déconcentre, ça me dégoûte! Xari le champion! C'est le stream ça! C'est comme ça que vous gagnez le stream! Xari le champion! Il a sauvé son titre! Fuck le stream! Xari, c'est comme ça que tu gagnes un Royal Rumble! Vas-y Gotha! Vas-y Gotha, lave-moi ça, Gotha! Ouais Gotha! Ouais Gotha! Xavier, il se perd! Dans les coups. Et voilà, t'es mort. Oh aïe. Mais aïe. Mis quelques balles en fait. T'as été mais tu m'as mis, mais tu sais, je comprends pas pourquoi tu m'as pas rushé. Hein, tu m'as encore parce que, en fait, j'avais pas construit. Donc je me suis dit, si j'y vais, je vais die parce que tu vas me tuer. Ah, ok. Amateur. T'es mort dernier, Kamel? Encore, on est là. J'assure, la dernière place, c'est la mienne. C'est.
Il est trop chiant. Non, pour ceux qui comprennent pas, parce qu'il y en a qui doivent pas comprendre depuis tout à l'heure, c'est genre en fait, il y a un reportage qui est passé sur TF1. Non, c'était à 8, ouais. C'est Arrivo Zelma qui call Skyhard Jiraya. Au tout début, il dit ça, il dit. C'est un peu. Bah, moi non plus, je les connaissais pas. C'est vraiment plus une taille de ouf. Bah, c'est des petites merdes. Non, plus, c'est des petites crottes, mais ils gagnent des millions d'euros. Oh là là là. J'ai les scores. Faut savoir qu'il y avait un match dans le match pour ne pas être le dernier entre côté. Il y a pas de match dans le match. Non, non, non. Moi, j'ai tout donné au Master Kill. C'est pareil, tout, après pareil. C'est fini. Et ben pareil. Ça se voit parce que t'as fini dernier, mon cher Stabeto, avec 15 points, 8ème place. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop compliqué, Royal. Jiraya, c'est tout. Jiraya, c'est vraiment. Jiraya, pardon. C'est Jiraya. 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 Maintenant, on le connaît tous. La bête de l'e-sport. Ah, Jiraya qui m'a fumé, hein. Bravo à lui. Bah, joueur de la team, hein. On le sait très bien, c'est pas un joueur e-sport pour rien. Un joueur professionnel, quoi. On passe directement à la 7ème position. Et bah, c'est son collègue. C'est Côté. Je suis solidaire. Avec 24 points, quoi. 24 points de plus. 9 points de plus, bouffon. Franchement, c'est obligé d'être devant Kamel. D'être devant Kamel et ouais, c'était ça, ouais. Bah, devant objectif. Ah, ouais. T'as vu, il a dit et il voulait rajouter quelque chose. Ça, et non, si je suis 7ème, c'est choquant. Et tu es Gotha au pistolet aussi. Pour toi, c'est... Ah, ouais, non, mais ça a été n'importe. Pire que Zonk encore, hein, vraiment. Ah, ouais. Tu gagnes ton duel face à Gotha, tu payes 0€ sur Master Kill et tu finis devant Kamel sur Wild Rumble. Le boss. 6ème, on arrive. Moi, ça, hein. Sur LRB, effectivement. Ça craint fort, vous êtes très fort. LRB, 30 points. 6ème. 30 points, ok. Ah, meilleur père. 5ème place, c'est là où tout se joue. Il a fait une super soirée, on l'a peut-être un peu surcoté en termes de classement parce qu'on le voyait plus haut que 5ème. Mais c'est effectivement Jiraya, bravo. Jiraya. 44 points, Gigi. J'ai tout compté avec je suis mort en dernier. 10 points sur Kamel d'ailleurs. J'ai eu le temps de tout compter. Quasiment tous tes points, c'est sur Kamel. Non, attends, mais le 3ème a combien de points juste pour voir la différence? Là, on est sur 5ème là. Ah oui, pardon, le 4ème, on a combien? Il a 6 points de plus sur 4ème. Ok, je pensais que c'était plus close que ça. Ça, c'est Goraga. Ouais. Donc, du coup, Jiraya, l'explosif valait que 2 points alors que les guns ça valait 3 points. Bon, c'est un peu de la merde. Ah, ça me dégoûte aussi. T'es quand même content d'avoir fait 5ème, ça reste une bonne presta, non? Ah non, oui, bien sûr. Belle presta. Et là, on arrive directement sur une égalité. Voilà, entre le 4ème et le 3ème. Deux joueurs d'un profil similaire, deux joueurs incroyables. Gotaga, deux joueurs qui sont tous les lundis ici pour éblouir le monde. C'est effectivement Gotaga et moi-même qui finissons à la 3ème place sur le podium. Donc on verra le top killer qui aura définitivement. Je pense que c'est toi, j'ai pas killé moi. J'ai pas tant que ça killé dans les derniers rounds, mais en tout cas. C'est un vrai soulagement de pouvoir mettre 2ème ou 1er du Royal Rumble dans mes titres. Attends, c'est un truc Zarizan là, c'est ça? Ouais. Oh putain! Donc 4ème et 3ème, c'est Gotaga et moi-même à égalité. C'est Xari qui a gagné, c'est sûr. 2ème et première place, c'est entre Xari et Zankyo. Sans deck. Et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y a égalité. Quoi? Et que ça va jouer au kill. Jure. Attends, en vrai, attends, les gars, il y en a un des deux qui a une game en moins. Ouais, il mérite la win. Attends, est-ce qu'il a eu son point au moins pour avoir fait 8ème entre guillemets? Il avait fait fini 7ème à cette game là, je vais revérifier, mais je sais que c'était moi qui avais fini 8ème quand il a eu son bug. J'avoue, donc il avait eu son point. Il avait eu son point. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il a eu 2 points. Là, il y a 56-56 et nous deux, on était à 50. Ah, c'était close. Donc dites-vous que le 3ème, c'est Gotamoi à 50 points et le 1er et le 2ème, c'est Zankyo et Xari à 56 points. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les départage au top kill? Est-ce qu'on leur fait un playground stat piquant? Est-ce qu'on leur fait faire un bullfight tous les deux? Est-ce qu'on leur fait un stat piquant et là, ça les stade piquant là? C'est possible, c'est marrant. C'est quoi le stade piquant? C'est le truc avec les. Sinon, tu recrées une game, on est tous en spec. Et on y retourne. Et en fait, non. Et on fait un 4v4. Nous, on joue pas, nous, on considère qu'on a perdu. C'est les deux qui sont dans une ville, je sais pas laquelle. En fait, c'est un Royal Rumble, mais K2. Vas-y. Et genre, vous avez 2 minutes. En plus, j'ai pas envie de dire parce que là, je sais qu'il y avait le plus de kills des deux. J'ai pas envie de dire parce qu'il aura trop le seum. Sinon, Xari, il aura le seum. Ils vont finalement se fight en 1 contre 1 à Retail Row, la ville de cœur du Royal Rumble. Ils ont 3 minutes pour se trouver, se tuer. Celui qui gagne remporte le Royal Rumble. Et dites-vous, si au bout de 3 minutes vous tuez pas, c'est Dogby qui gagne le Royal Rumble. T'as que Dogby là? Oh là, ok. T'es d'homme, je le prends le trophée. Xari, c'est pas pour te mettre la pression, mais on est tous sur toi. C'est possible de pas mourir. Ouais, on est tous sur moi, j'ai bien compris. J'aurais préféré que non. Attends. Bah attends, ils ont plus de 34. Attends, bah laisse-le. Ils vont se fight, j'entends des constructions. Je jure, vous êtes en train de tout niquer, ça quand même. En tout cas, le fight est engagé. C'est bon. Entre Xari et Zankyo, la balle de bombe qui touche pas. Zankyo, Xari, c'est le face à face pur. Et Zankyo. J'ai pas pu construire. Et t'as pas été inquiété une seule seconde en fait. Oh là là. En vrai, le pompoteau est assez fort. En vrai, c'est mérité. En vrai, en vrai. Vous avez un gris, bien joué, mec. Et on est d'accord, c'est Zan qui a le plus de kills. Non, c'était exact. Ah ouais, juste Donc, du coup, ça. Sérieux pas... Ah ouais. Il avait une game en moins. Il avait une game en moins. Comme tu dis, c'est mérité. C'est mérité. Donc, s'il avait pas eu ce bug, même s'il avait fait juste un kill en fait sur cette game là, ça veut dire qu'il aurait déjà gagné de base normalement, Zan. Ouais, ça. Après, il aurait pu mourir direct. Il aurait pu se faire laver par Captain Spawn. C'est ça.
Parce que moi, je suis un joueur de spawn, moi. C'est... En tout cas, le chat a validé son gagnant. Et on a le vrai score. N'hésitez pas à afficher l'image du coup des calibrages. Du coup, ils ont dû la modifier. Que le haut, s'il vous plaît. Zankyo, première victoire en Royal Rumble. Ouais, première. Je sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait quand même 5, je pense, ouais. Depuis le début. Donc, ah ouais. Content. Ça y est, c'est fait. Et dans la douleur, quand même. Il m'a fait suer, ce bâtard. Tu rejoins Skite aussi, qui est parmi les joueurs. C'est vrai qu'il y a Skite aussi, le stream aussi. Skite qui avait gagné aussi. Donc, tu vas pas mettre la pression. Overmax, au bateau et tout, quand tu les croises, il faut, alors il faut les gars, t'es pas bah ouais, royal. Moi j'ai gagné un royal. 9 kills, Wag. 9 kills. Waouh, et 11 kills pour Xaxa. 11 kills quand même. Ouais, 11 kills Xari, 9 kills pour moi. 11 kills Xari, mais what? C'est quoi ce Slayer là? Il a fait plus de kills que mon Master Kill. Non, mais GG à tous, franchement, il y a beaucoup de gens qui, je pense, sous-estimaient ce Royal. Non, toi. Et en vrai, il y a eu masse niveau, il y a eu masse truc sympa. Et genre, par exemple, c'est l'une des rares fois où t'as un mec qui arrive et sur les explosifs, genre, il te fait des bonus fois deux. Non mais c'est vrai, tu vois. D'habitude dans les spéciales pro quoi, ils sont en mode bah les couilles en fait, si je mets des grenades je vais perdre du temps. Donc, non c'est propre. Donc c'était en plus de ça, l'ambiance était clairement là avec les punchlines qui allaient à chaque kill. Messieurs, pour le Royal Rumble solo c'est terminé.